Salut la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bonnet assorti aux petits chaussons pour lequel je vous ai posté une vidéo il y a quelques jours de ça. Donc vous avez la vidéo pour les petits chaussons, je vais vous remettre le lien. Et aujourd'hui on va faire un bonnet qui va être celui-ci en fait. Donc celui-ci il est rouge pour une demande spéciale et d'ailleurs je trouve qu'on met rarement de couleurs vives au bébé et je trouve ça trop mignon en fait. Donc j'ai rajouté une petite étiquette, vous pouvez customiser. Moi je vais vous montrer comment faire le bonnet. Donc pour faire ce bonnet, je vais simplement utiliser le reste de la pelote qui m'a servi pour faire les chaussons. Avec une pelote de 50 grammes, vous avez largement de quoi faire les chaussons et le bonnet. Donc c'est de la Pingo First, ce sont des pelotes de 50 grammes en acrylique, ça se tricote en 3,5. Pour celles et ceux qui ont suivi le tutoriel des chaussons, j'ai utilisé une aiguille numéro 4, mais pour le bonnet je vais bien rester sur du 3,5. Donc une paire d'aiguilles que j'utilise en aller-retour, donc des aiguilles droites feront l'affaire, un mètre de couture, l'aiguille et le ciseau pour couper les fils. Je vous montre ça tout de suite et on va commencer par monter 82 mailles. J'ai mes 82 mailles. En fait, j'ai 81 mailles plus une maille lisière. Donc, la maille lisière, je la pique à l'envers. Je la sors sans la tricoter. Et je passe mon fil derrière. Et là, on va faire du point mousse sur 2 cm. Donc le point mousse, c'est tout à l'endroit. Donc on va faire 2 cm de point mousse, ce qui donne 8 à 10 rangs à peu près. Ça dépend de votre manière de tricoter. Mais en tout cas, tout au point mousse. Donc la première maille, on la pique par l'envers. On la sort de l'aiguille sans la tricoter. Et on passe notre fil derrière pour avoir le fil dans le bon sens. Et la dernière maille au point mousse, on la tricote à l'endroit de façon normale. Quoi qu'il en soit, en fait, la maille lisière, quand on sera sur le jersey, ça sera toujours ça. C'est quel que soit le sens du rang où on se trouve, donc envers ou endroit, le sens de l'ouvrage, qu'on soit sur l'envers ou sur l'endroit, on pique la première maille sans la tricoter et on tricote la dernière maille à l'endroit, même si on était sur un rang envers. Donc là, on va déjà commencer par les 2 cm de point mousse. Et on commencera le jersey après. Vous allez voir, il est rapide et simple à faire ce bonnet. J'ai donc mes 2 cm de point mousse. Donc ça m'a donné 8 rangs pour ma part. Et on va commencer à faire du jersey. Donc pour rappel, le jersey c'est un rang en droit, un rang envers. Je ne tricote pas la première maille, je la sors. Comme là je suis sur l'endroit, je vais passer le fil par derrière et je commence mon jersey. Donc pour l'instant rien de spécial puisqu'on va être tout à l'endroit et donc tricoter le dernier rang, la dernière maille à l'endroit également. Donc, on va faire ça, je vais vous montrer ça et on va se retrouver sur le premier rang envers pour que je vous montre le départ du rang envers et sa fin aussi sur le rang envers. Et donc pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de voir comment fonctionne la maille lisière, vous pouvez partir sur 7 cm de jersey et on se retrouvera pour les diminutions. Pour les autres, je vais au bout de ce rang là et je reviens sur le rang envers. De mon premier rang endroit, la dernière maille je la tricote à l'endroit et donc là je vais arriver sur mon premier rang envers. Et sur mon premier rang envers, en fait je vais glisser la maille à l'envers de la même façon. En revanche je vais laisser le fil vers l'avant puisque j'ai besoin qu'il soit à l'avant pour les mailles envers. Donc je tricote les mailles à l'envers, toutes les mailles seront tricotées donc à l'envers sauf la dernière maille que je vais venir faire à l'endroit. J'arrive donc à ma dernière maille. Donc je sors l'avant-dernière maille. Je vais passer mon fil derrière
et la dernière maille je la tricote à l'endroit. Et donc là on voit le jersey qui commence à apparaître et on a une maille lisière hyper nette. Ce qui, en plus d'être esthétique, facilite grandement la couture. Donc là, moi, j'ai déjà fait mes deux rangs, mes deux premiers rangs de jersey. On va faire comme ça 7 cm de jersey. Donc au total, avec la bordure de point mousse, on aura une hauteur de 9 cm quand on devra commencer les diminutions. Donc c'est parti, on fait nos 7 cm et puis on se retrouve. Arrivé aux 7 cm de jersey, donc 9 cm de hauteur totale depuis le départ au point mousse, on va venir maintenant faire les diminutions. Donc les diminutions, on ne compte pas la maille lisière qu'on sort et que vous avez sorti depuis le départ. Là, je vais venir tricoter 8 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Hein. Hop. 2 mailles ensemble. Donc j'ai fait une première diminution. Je retricote 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau 2 mailles ensemble. Et je vais aller comme ça jusqu'au bout du rang. Donc 8 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution. Donc vous faites tout le rang comme ça. Le rang envers sera lui tout à l'envers sans aucune diminution, sans aucune augmentation. Donc là, 2 mailles ensemble. Donc on fait tout le rang, donc 8 mailles tricotées, 2 mailles ensemble, 8 mailles tricotées, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. Il va vous rester une maille, c'est normal, vous la tricotez à l'endroit, sur l'endroit, et à l'endroit, sur l'envers également, ce que vous avez fait depuis le départ. Le rang envers, vous allez le tricoter entièrement à l'envers, sans diminution, sans augmentation, et on revient de ce côté-là pour la deuxième diminution. Je suis de retour sur l'endroit du travail. Je glisse ma maille lisière. Cette fois-ci, je vais faire 7 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles ensemble. Il vous reste une dernière maille à la fin. On ne la tricote pas. On la tricote, pardon, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. Donc, normalement, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous aurez compris comment vont fonctionner les rangs de diminution. Donc les rangs de diminution, c'est uniquement sur l'endroit. On va faire, là on est en train de faire 7 mailles tricotées de mes ensemble. Après on fera tout le rang envers sans diminution, sans augmentation. Le rang de diminution suivant, ça sera donc 6 mailles seules, 2 mailles ensemble, puis 5 2 mailles ensemble, 4, 2 mailles ensemble, 3, 2 mailles ensemble, 2, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles ensemble. Et une fois qu'on sera là, on va tricoter les mailles 2 par 2. Mais pour que ce soit peut-être plus simple à suivre pour les gens qui débutent un petit peu au tricot, je vais revenir à chaque début de diminution. Donc ce rang-là, deuxième série de diminution, on fait 7 mailles individuelles, 2 mailles ensemble. À la fin, il vous reste toujours la dernière maille. Donc la première maille, on la tricote pas, c'est la maille lisière. La dernière maille, qui est aussi la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Et le rang envers, on le fait à l'envers. On se retrouve pour la troisième série de diminutions. Pour l'instant, on fait 7, 2, 7, 2, 7, 2. A tout à l'heure. Troisième série de diminutions. Ma lisière qu'on glisse. Et cette fois-ci, on va faire 6, 2. Donc 6 mailles. Normal. 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble. Tout le long comme ça jusqu'à la dernière où vous aurez compris, elle reste toute seule. On la tricote à l'endroit, c'est la maille lisière. 6, 2, 6, 2. À tout de suite.
quatrième série de diminution, 5 mailles, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble. Et vous avez sûrement vu d'ailleurs qu'on avait la formation du haut du bonnet. Vous avez remarqué, en fait, ça commence à se resserrer et c'est ce qui nous donnera le haut du bonnet avec un joli tourbillon, finalement. Donc, cette rangée-là, qui est la quatrième rangée de diminution, c'est une alternance de 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble, etc., etc., jusqu'à la fin. Le rang en vert, on ne change rien, il est à l'envers et on n'ajoute rien, on ne diminue rien et on se retrouve pour le prochain qui, vous l'aurez compris, sera 4 mailles, 2 mailles ensemble. A tout de suite! J'arrive sur ma dernière rangée de diminution, je sors ma maille lisière et là maintenant je vais venir tricoter mes mailles deux par deux. Donc il en reste 16 et la maille lisière de la fin. Donc au total vous en avez 18, la première et la dernière vous allez les travailler seules et les 16 du milieu vont être travaillées ensemble deux par deux de façon à ce qu'il nous en reste 8. Les deux dernières ensemble, hop. Et la dernière, toute seule. On a donc sur notre aiguille nos 8 mailles ici avec nos mailles lisières. On va venir faire notre dernier rang tout à l'envers. Bon, il ne nous reste plus grand chose à tricoter pour le coup. Tant mieux. Si on arrive à la fin, on va faire les coutures. Et c'est en faisant les coutures que vous allez prendre la mesure de l'intérêt des mailles lisières. Vous allez voir, ça va rendre les choses plus faciles. Donc ici, et ma maille lisière à l'endroit. Donc je suis arrivée ici, je vais couper le fil. Donc on n'a pas besoin d'en couper énormément. Hein. Je coupe le fil. Je prends mon aiguille à coudre cette manière et là en fait mes
Mes mailles, je vais venir les passer dans mon aiguille. Enfin, sur l'aiguille, pardon. J'abandonne mes aiguilles à tricoter. Et donc là, je suis là. Donc, je vous montre le bonnet. On va venir le coup de bord à bord. Et regardez, en fait, la magie de la maille lisière, ça vous donne une ligne, en fait. Vous voyez, on va passer systématiquement ici. C'est tout droit. Vous suivez cette ligne. La même chose de l'autre côté. Je vous montre ça de suite. Donc là, on commence de ce côté-là. Si je reste dans le champ de la caméra, c'est peut-être un peu mieux d'ailleurs pour voir. Et là, regardez, vous suivez la ligne. Passez ici, on passe ici. Ça, c'est la maille qu'on n'a jamais tricotée en fait, ou qu'on a tricotée dans le sens inverse quand on était sur l'envers. Et donc, ça vous fait une petite tresse au final qui, elle, vous sert de ligne, un peu de ligne de vie. Vous la suivez tout simplement. Vous avez juste à suivre, en fait, cette fameuse maille lisière que vous vous êtes appliqué à faire et qui va donc vous permettre d'avoir quelque chose de droit, propre, sans vous poser aucune question sur ou piquer ou ne pas piquer. C'est déjà tout pensé à votre place et regardez, ça fait vraiment quelque chose de bord à bord. Et vous allez pouvoir continuer tout le long comme ça. Votre ligne, elle est droite. Elle est encore plus droite quand vous arrivez hors des diminutions. Et on ne se pose pas de questions, on suit la ligne. De chaque côté. Vous voyez, quand je resserre, je tire doucement, les bordures se rapprochent et on est vraiment sur du bord à bord. Donc, on finit la couture et on aura fini ce bonnet. Il suffira de rentrer les fils. Voici arrivé à l'issue de ce tutoriel, voici comment on peut avoir un ensemble coordonné, petit chausson, petit bonnet, c'est trop mignon. Comme je vous ai montré au début de la vidéo, on peut aussi customiser en rajoutant une étiquette, vous pouvez mettre des petites oreilles, vous pouvez mettre des petits yeux, etc. Enfin, c'est vraiment la base du bonnet bébé. Du bonnet naissance pour le trousseau avec une jolie finition, etc. Mais après, vous pouvez pimper tout ça. Vous pouvez rajouter un cordon aussi si vous le souhaitez. Enfin, il y a plein d'alternatives sur ce bonnet qui est le bonnet de base et qui peut être très sympa. Vous pouvez mettre des rayures de couleurs, etc. En tout cas, j'espère que ça a été simple à suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !